Lorsque nous avons reçu une invitation pour ce festival, nous avons lancé les demandes aux différentes instances, la région, nous avons aussi sollicité l'aide de l'Office du tourisme, et puis nous avons eu de la part aussi de nos sponsors un peu d'aide, ce qui fait que finalement, nous avons pu réaliser cette opération sans trop de problèmes. Premier grand voyage, je dirais que c'était une réussite. Je dis mon premier grand voyage parce que bon, j'ai déjà voyagé avec Double Face en Antigue, en Martinique, mais quand même aller en Espagne, c'est pas la porte d'à côté. Donc arriver là-bas quand même, c'était une réussite. Bien quand même au départ d'ici, on avait quelques problèmes hein, parce que vu l'organisation, elle n'était pas facile quoi. Pour monsieur Alex Lenclume, Loïc et les autres. Car ça a failli capoter à plusieurs reprises parce que c'est quand même une mince affaire d'organiser un voyage quand même. Hein. Mais arriver là-bas quand même, ça a été le pied quoi. Et on a commencé quand même, je dirais, à prendre le pied depuis dans l'avion. Hein.
genre de déplacement est très intéressant pour le groupe. Ça permet de rencontrer d'autres cultures, cultures d'échange, telles qu'avec les Brésiliens, malgré que nous ne parlons pas l'espagnol couramment. Ça nous a permis de prendre contact avec des Hollandais. C'est vraiment un grand échange culturel. Et aux membres du groupe même, parce qu'on connaît déjà ce qui se passe dans les Antilles, ça nous permet de voir ailleurs, de toucher autre chose. Et je pense que c'est là la grande satisfaction. Des fois que nous pensions que nous n'étions pas bons, je ne dirais pas que nous sommes les meilleurs, mais quand même dans le lot, on a pu constater qu'on était à la hauteur ou même parfois nous étions beaucoup plus sollicités que les autres. Donc je pense que c'est une grande satisfaction pour tous les membres du groupe Double Face. Il faut dire que ce sont des gens qui travaillent dur parce qu'on n'arrive pas comme ça. Et j'aurais souhaité que d'autres groupes arrivent à cette fin, quoi. Bien qu'on n'a pas encore vu le bout du tunnel, mais on pense encore aller plus loin. Parce que le but de Double Face, c'est pas d'arrêter là. Il y a le consul de France qui se trouve à Castellón qui justement était étonné de voir des Guadeloupéens qui représentaient la France tout d'abord et qui représentaient aussi la Guadeloupe et que lui-même il n'était pas au courant et que bon ben, il a trouvé qu'on faisait une très bonne prestation et lorsqu'on lui a fait savoir par quels moyens on était arrivé jusqu'à ce festival, il était un peu étonné quoi. Très important, c'est une façon de montrer notre pays à l'extérieur, de vendre, je dirais, la Guadeloupe dans le bon sens du terme. On a vu encore à Castellane comment les gens nous ont sollicité. On nous prenait pour des Brésiliens, on devait expliquer d'où on venait, qui on était. Donc c'est où ça prend toute son importance et je souhaite que tous les membres du groupe l'ont bien compris, l'ont bien saisi et le travail qu'on a commencé va continuer dans le même sens et tout le monde aura à gagner.